have a challenge now in our county. And I understand serving my district, but now I also engage and wrap myself into a vision of what's better for our county as a whole. We know, and many of you probably traveled here today and saw the gridlock we deal with on a daily basis. And it has to be a challenge that Commissioner Monestime, I commit to you to help and work with you on the issues of transportation, the issues of critical need in our county that connects our community. The American dream lives on. The American dream is not dead. We see it every single day in our districts. And today is a testament as we name Jean Monestime chair of this commission. The Haitian American community is a snapshot of what America is. Come, work hard, gain opportunities, and you could grow from there. And Jean, I marvel to see not only your accomplishments, but the accomplishments of your community. God bless you, God bless this county, God bless all of our families, and I'm up for the challenge, Jean, at your side to work for the betterment of our county. Thank you so much. Dans les téléspectateurs de Allen TV, nous trouvons exactement dans la Commission Chamber, côté Jean Monestime, qui est élu chairman de la Commission pour la prêter serment. Nous invitons à suivre. Okay. Repeat after me. I state your name. I, Jean Monestime. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Or affirm. Or affirm. That I will support, protect, and defend. That I will support, protect, and affirm. Defend the Constitution. Defend the Constitution and government of the United States and government of the United States and of the state of Florida and of the state of Florida that I am duly qualified that I'm duly qualified to hold office under the Constitution of the state and that I will well and that I will well and faithfully perform the duties of county commissioner the duties of county commissioners on which I am now on which I am now about to enter about to enter so help me God so help me God God bless you. And now it is Chairman Monestime's turn to say a few words. Mr. Chair. Thank you. Thank you. Thank you. We should keep this going. Please bear with me. This is not going to be easy. But thank you for being here. Isn't America great? Yeah. Senator Rubio, Congresswoman Wilson, retired Congresswoman Meek, Lieutenant Governor Lopez Cantera, Mayor Jimenez, Vice Mayor Bovo, my fellow county commissioners, clerks of the courts, Mr. Rubin, other federal, state, and local elected officials, member of the clergy, member of the press, county employees, invited guests, County Attorney's Office, ladies and gentlemen, thank you for being here today. Thank you to Dr. Moise for being here to administer the oath of office to me. Actually, you're from Maryland. I did you a favor being here today in Florida. It's not snowing here, and it's not gonna snow anytime soon. So you pay me back later. But please allow me on behalf of my colleagues to say thank you to now our
former chairwoman Rebecca Sosa for her leadership over the last 2 years. And also, thank you to Commissioner Edmondson for making this day easier. Thank you for being gracious and grateful. Well, unlike Commissioner Bovo, if I were to thank everyone who has helped me get to where I am today, it would take hours. Several decades ago, I arrived on the shores of Miami-Dade County as a teenage immigrant seeking a better life. Several decades later, we are here experiencing the transformative power of the American dream. Out of respect for your time, rather than recite my list of church elders and members, family members, teachers, friends and mentors who have guided me on this path, allow me to simply and publicly express my sincere gratitude for the countless blessings in my life bestowed by a very, very merciful God. Amen. To God be the glory. To be selected for this position, to be the chairman of the Miami-Dade County Commission, is a tremendous honor. I am very humbled by my colleagues, by your unanimous vote, you've made this possible. To be chosen to lead the governing body that represents over 2.5 million people, a county commission that sets the priorities for our annual budget, one that is larger than 17 states and 78 countries, is an awesome responsibility. But today I have taken a solemn oath as the chairman of Miami-Dade County Commission, that with the continuing support of my wonderful, wonderful wife, Sherry, I love you, and my loving sons, and the grace of God, you have my word. I will always try to do my best, always. To the families and individuals in this community who are struggling to make ends meet, I understand the challenges you face. At different times in my life, I do understand the challenges you face, because at different times in my life, I have mopped floors, mowed lawns, washed dishes, and drove a taxi to put food on my table, my family's table as well. Along the way, I managed to earn an MBA and later open a small business. Through hard work, the complete freedom we enjoy in these United States, and God's many blessings, my family now enjoy a modest degree of prosperity. Unfortunately, for too many of our citizens, prosperity is an elusive dream. Wages have been kept flat by a competitive job market. Housing costs continue to escalate. Tolls can cost a worker an hour of wages every day. Health coverage is still a luxury for many, even with Obamacare. And a traditional mortgage to purchase a home requires the patience of Job and a superior credit rating.
Though the situation seems bleak for so many, I am confident that the County Commission can knock down many of these barriers to prosperity. As elected officials, we have a duty and an obligation to make a difference, at least to attempt to make a difference in the lives of our citizens. I'm asking my colleagues on the County Commission to focus all their energy on reducing the income inequality gap, building wealth in our community through home ownership, business developments, and fair wages, thus broadening our base of prosperity. The American Community Survey has ranked Miami-Dade County with the highest income inequality gap among the top 10 most populated counties in the United States. It is entirely unacceptable for our community to be dead last on a statistic that reflects the quality of life of our citizens. Colleagues, we have an obligation to find remedies to the social and economic challenges our people face. As problems are identified, solutions should be proposed. To support this agenda, the community system I am establishing today has the ability to improve the quality of life for the residents of Miami-Dade County. In addition, I'm establishing a Chairman's Council for Prosperity Initiatives. This council will serve as a resource for our community, as a resource as well for our committees, a clearinghouse for ideas that will make a lasting impact on the people of Miami-Dade County. We do have a home rule charter in Miami-Dade County that grants tremendous authority to the county commission. Though we serve with a strong mayor, we can and must act. There are urgent situations that require immediate attention, such as the need to stop the senseless bloodshed in our neighborhoods. Other tasks may require long-term strategic planning. However, the key is to start now. We have over 35,000 qualified, well-skilled, and capable employees, professionals who work for the county and the Jackson Health System, who are dedicated to improving the lives of their fellow citizens. Each and every day, many of them enter the public service in order to make a difference. They want to leave, as we do, a lasting legacy on positive accomplishments. We need to give them this opportunity. I want, and we all want, our employees to be proud to say they work for Miami-Dade County. Through their dedication and good works and sound policies and collaboration with the mayor, we can restore pride in the public service. The advantage is, we are not a partisan body. The advantage is, we are not a partisan body. We're not a gridlock Congress. We are not divided by party politics, nor are we torn apart by party platforms. The unity of this board when making important decisions like your unanimous choice for chairman should not be forgotten. This board is absolutely free and able to respond directly to the needs of this county. But the time is now. We cannot wait for later. The freedom to act on behalf of our residents is not a privilege to be squandered. For the struggle for freedom continues around the globe, but here in Miami-Dade County, we share an awesome opportunity to lead this county towards its more glorious days. And I dare to say that the people of Miami-Dade County, with such a diverse population and so many of us immigrants, treasures the freedom of opportunity more dearly than any other major community in the United States. I did say, I dare to say. The freedom we enjoy today
was built by those who worked tirelessly to secure civil rights for all Americans. Some of them here in the room today. Our retired congresswoman is here. We know how hard she's fought with others. And we celebrate and commemorate this achievement of freedom and civil rights this coming Monday on Martin Luther King Jr. Day. We are all gathered here today as Americans. Whether you were born at Jackson Memorial Hospital or arrive in this community by boat like myself, by Amtrak like others, or by Pan American Airways, we are all here now. We are all here now, and it's time to shape the future of our community. Today, we come together in a spirit of cooperation to nurture the God-given talent of our people. Let us show the world what a free people, united in purpose and dedicated to serve, can accomplish. We are all here now. Our diversity is our strength. Our common goal is to build a stronger and most prosperous Miami-Dade County. Now is our time. Now is our time. God bless all of you. God bless Miami-Dade County. Thank you very much for being here. Oh man, this is a great day for America, a great day for Miami-Dade County to have, you know, Jean Monestime as the chairman of this great body, a county with, you know, 2.5 million residents. And I think, you know, his agenda is very clear, you know, economic opportunities for all. He want to make sure that we stop the senseless killing that's happening in our community. And he wants like to create opportunities for all. You know, I think this is great for our community. And John Monestime is going to be an excellent chairman for the county. When we can have two immigrants running our county government, and it says a whole lot about the progress of America, too. So I'm glad to see this happen. Congratulations, my friend. You're going to do well. You have a lot of people behind you, and you have a wonderful mind to think about those issues that affect the community. And so we're looking to get you out front so that we can follow you. Thank you so much. Well, it's a great day, and I think it's a day that we can celebrate our diversity and the success of every element of our wonderful community. So specifically what Gene Monestime said. Well, I thought his comments were extremely on point when he said that this country is a fabric woven together by so many colors and of cloth. He came here in a boat. My dad came here in a boat. So many in our community came on boat. But it doesn't really matter how we came here. What matters is that we're all here, and we're all part of a wonderful community. And instead of being Haitian American, African American, Jewish American, Russian American, we're Miami Americans. Gene Monestime, you are the man, and I am so very proud of you. I've watched you grow into this great leader, and I know that everyone in District 24 is proud of you. Congratulations, and we will be there with you 100%. It is my pleasure to be here on the day that Commissioner Monestime is now serving his community as he always has. And he's that kind of leader. I'm so pleased, and I want to extend my congratulations to his community for having selected a man such as himself to lead them. He's worthy of the leadership. He's a very fine man. I mean, they'll never be sorry that they elected him. And we're going to support him all the way. Aujourd'hui est un moment historique pour la communauté haïtienne-américaine qui vit dans Miami-Dade County. De ce que nous sommes participés dans la cérémonie pour capable introduire le commissionnaire Jean Monestime
comme chair county commission. Donc quand ça montrait que communauté haïtienne a grandi et avec support l'autre communauté n'a pas continué grandir, n'a pas continué avancer. Donc son honneur jodian pour communauté haïtienne américaine qui vivent dans sud Floride, spécialement dans Miami-Dade County. Je suis très content pour me là pour me dire chaman mon estime sans moi petit garçon moi là pour ta prendre honneur ça qui prend gros responsabilité ça pour la lead gros position ça ça veut dire que communauté a fait progrès communauté a marché à l'avance gagne un pilote bon grain dehors qui beaucoup gens m'paraît mais gagne un pilote qui servit déjà coucou Philippe bien-aimé que me fier de lui coucou on bon coucou André Pierre son monde que me remet en pile et son outil qui te travaille qui te montre belle bagaille qui ca faire l'autre bagaille encore. Alors, on a salué toute communauté. Je dis, c'est un honneur pour la communauté haïtienne dans Miami. Et salut à Allen TV qui est toujours là pour nous. C'est un plaisir, je dis, c'est un gros jeu dans l'Amérique County. L'histoire fait. Nous faisons l'histoire déjà. Nous faisons l'histoire plusieurs fois. Mais dans Dade County, nous faisons l'histoire. Pour la première fois, un haïtien qui est levé dans la communauté, qui servait la communauté, il est ascendé à poste de Chairman County Commission. Ce n'est pas jamais fait avant. Et nous faisons l'histoire pour mettre le chapeau bas devant lui. Et la réellement ouvert chemin pour la communauté pour nous faire plus loin et pour nous faire exemple qui est chemin pour ça qui vient derrière nous. Alors je crois que je dis à nous commencer premier pas vers ascendance nous tant qu'une communauté qui participe, qui comprend ça ça est politique, qui comprend ça ça est pour tout le monde une opportunité. Je dis mon Dieu merci et je dis que nous toute communauté a fait un bravo peut-être nous parce que nous-mêmes nous aider ça fait. Il y a nos witness, nos témoins dans l'inauguration, dans l'investiture. Jean Monestime en tant que chairman de Miami-Dade County Board, c'est une réalité liée, c'est une belle réalisation. Et nous connaissons que le commissionnaire lui fait allusion à l'heure où nous avons commencé dans la communauté, ça à côté de Soti, côté de nous, Yekoulia, et côté que nous visions aller. Je crois que aujourd'hui, c'est un jour historique lié pour toute Miami-Dade County et aussi pour la communauté haïtienne, pour montrer vraiment que le travail dur, le que vous avez donné tête à un projet et que grande chose capable de sortir là-dedans. C'est un message pour la communauté, c'est un message pour Timounio qui a évolué. Je dis Timounio, mes amis, prends leçon, prends note. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes capables d'arriver, vraiment, vrai côté que nous arrivons, pour nous capables d'assurer un avenir meilleur pour Timounio qui a levé. It's historic, the first Haitian American chairman of the commission, unanimously voted by the other members of the commission, another historic event. I thought he spoke beautifully. You know, it's about the American dream. He came by boat, I came by plane from two different countries. And I'm the mayor of Miami-Dade County, and he's the chairman. And so that is the American dream. And that's what's great about this country. And I look forward to working with him in the next 2 years to make this community better, to make sure that all of our residents have the opportunity to also attain that American dream. And so his message resonated with me very well. Jean lui-même, à cause de M. Toujours reconnaître valeur et morale que bon Dieu, l'Église, institution, même la communauté a investi dans nous. Eh bien, monsieur lui-même percé dans la politique là. Les nous sommes dans le business et ensemble. Jean était toujours à l'avant-garde. Nous avons Philippe Brutus. Donc, un paquet de monde ancien, nouveau, monde qui inspiré. Donc, il a continué à inspirer. Oui, Jean, c'est une inspiration. Et ça, bon, moi, plus de courage pour continuer de travailler, moi-même, dans la sphère, et pas moi. Une fierté pour nous tous haïtiens. Et là, regardez que tout le monde qui est là, kounyala, et tout le monde qui a regardé la télévision qui va s'arriver, ça monte haïtien en haut. Donc, son fierté pour nous. Et je pense que les jeunes haïtiens là, kounyala, qui sont là, qui sont à l'école, qui sont là, ça va être un encouragement eux-mêmes. Pour pousser tête monter, pour y apprendre, pour un jour venir remplacer moi-même. Je remplacer et chercher mon estime avec tout l'autre groupe qui est là. Commissioner Monestime, congratulations. Et matin, ou finalement, prêté serment comme chairman de la commission. Et vous avez déjà dit tout ça, vous avez dit dans le speech, mais qui est spécial que vous remarquez pour journée? Bon, ça qui est spécial, c'est que franchement, c'est degré support nous que nous avons là premièrement de tout le monde qui vient pour supporter et moment historique ça mais plus primordialement c'est le fait que nous connaissons grâce bon Dieu qui continue à déverser sur nous pour nous remettre à la population ça à la communauté ça que nous avons dans les années passées
et pendant la période que nous avons grandi dans la communauté. Ça. So, à tout le monde qui est dans la communauté, surtout grand d'être, surtout le monde qui servit avant nous, surtout le monde qui aide à construire la communauté ça, avant de venir là, yo. C'est sous les épaules que nous campons pour nous arriver là. Et je dis à tout merci. Et je dis à tout pas décourager, surtout les parents qui peuvent lutter avec Timounio. Il y a des Timounio qui ont un problème, qui ne veulent pas étudier. Mais dans la mesure que nous avons une chance pour nous parler avec eux, pas décourager. Parce que dans les Timounio, ça a en pile dans son futur, j'en mon estime, son futur leader dans la communauté. Hein. Et nous ne savons pas qui côté qui est arrivé. Et nous avons un exemple qui précède, j'en mon estime. Nous avons un exemple de Barack Obama, Bill Clinton, qui parlait de situation dans le passé yo, et qui côté est aujourd'hui. Donc nous disons merci à la communauté. Hein. En tant que nous avons dans le speech que Carrie Mick a fait pour, avant que vous prêté serment, il fait qu'on a que vous récoltez ça, vous avez semé dans la communauté. Donc, est-ce que vous pensez que c'est de droit qu'on a un privilège ça ou bien c'est par rapport à l'effort qu'on fait qui permet de arriver là? Mon cher, je ni droit ni privilège. Ça que nous connaissons, c'est que si on a un temps que Carrie Mick a dit ça, si on vétéran, si on a un qui a pile sagesse qu'on a, et peut-être m'a fait une conversation avec elle pour me dire comment pour continuer à semer. Et mais cependant, à la fin du jour, ça nous croit, c'est que son communauté qui investit dans nous-mêmes, parce que pas jamais peur de mon histoire, qui côté me sorti et qui côté mieux qu'on y a. Si je n'ai pas de grand monde dans la communauté qui t'a parlé avec moi, qui t'a pris à l'oreille, qui t'a encouragé mal à l'école, travail dur, on prend rester campé avec famille moi, et apprécier et ça que parents ont fait pour moi, ça que madame, moi, petite, moi, fait pour moi, ça que les gens dans la communauté qui ont servi fait pour moi, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Donc après grâce bon Dieu, c'est grâce à sa communauté ça fait. Donc m'a bien content d'étendre Karimik, mais nous on parle avec lui, nous pourrons faire plus conversation avec lui pour nous continuer à apprendre comment pour nous semer parce que c'est dans même monde ça pour apprendre. Vous parlez d'un pile priorité, vous parlez d'un pile bagaille qu'on gagne pour t'engager ainsi que commission pour t'engager là dedans. Quelle est la première des priorités? Première priorité hein, c'est le fait que c'est travail pour que et commission hein, vraiment permettre que gagne plus moun qui gagne chance pour rejoindre travail. Deuxième priorité hein, c'est permettre que un ben espace qui gagne entre moun riche avec moun qui pauvre, inégalité ça diminuer. Parce que nous sommes ville côté et reste monde là. C'est Miami que yo viser comme une destination qu'on y a. Gagne en pile richesse pas bon ici en hein, pile luxe pas bon ici. Cependant, nous avons un monde qui a bien en pauvreté, qui a bien en misère et nous pas qu'à continuer de tolérer ça. Nous pas qu'à changer le du jour au lendemain. Nous demandons aux gens pour avoir patience, et pour rester connecté avec nous. Mais cependant, nous promettons population ça. Tant qu'on fait dans 4 ans qui passent là, dans 2 ans qui viennent là, nous mettons 100% énergie nous pour au travail pour que nous essayions de réduire l'inégalité et sociale et économique avec inégalité dans l'emploi pour que les gens aient une opportunité pour supporter les familles, pour avancer pour vivre devant. Commissionnaire, chairman, je m'en estime et à l'intérieur, merci. Merci. Voilà, téléspectateurs, comme nous tous nous sommes commissionnaire, je m'en estime, je prête serment à la chairman commission. Et ça que tu as remarqué non plus dans le speech que M. Debaï, c'est côté que l'été fait qu'on est que, quel que soit côté nous sortis, quelle que soit direction qui mène nous ici aux États-Unis, nous tous nous là qu'on y a, nous dans terre, nous dans pays, et nous tous faisons seul, nous tous c'est Américains que nous y a. Et en pile monde dans l'audience là, on t'a applaudi avec un pile respect, comme vous êtes capable de trouver dans toute réaction que nous sort bail, dans toute réaction que nous gagnons pour après la cérémonie, ou que tout le monde est cher, vision que monsieur gagne pour l'avancement de cette communauté, pour l'avancement de Miami-Dade County. Donc ensemble, nous croyons que tout le monde pourra le mettre main avec lui pour suivre de chip lui et pour permettre que vous capable de réaliser tout ça que Chairman lui-même, il a une perspective pour le développement de Miami-Dade County.